Bonjour, voilà, c'est Blaise Matuidi. Vous allez passer la journée avec moi et vous allez voir c'est quoi le quotidien d'un footballeur. Direction le centre d'entraînement voilà, pour un entraînement intensif et pour préparer le match de Nancy. Voilà. Voilà, en gros, voilà, entraînement prévu à 9h45. Puis, donc une bonne séance, on est mercredi au milieu de la semaine. Donc, là, le match il est dimanche, donc ça nous laisse un peu plus de temps pour préparer ce match. Et ensuite, moi, vu que je reprends, j'ai un travail supplémentaire l'après-midi d'appui avec le préparateur physique. Voilà, c'est important pour reprendre le niveau. Être au top pour être disponible pour le coach dimanche, donc une journée assez chargée. Comment toi tu appréhendes justement la réception de Nancy, c'est ton retour, t'as été blessé un petit moment? Ouais bah écoutez, j'espère être aussi bien que je l'ai été jusqu'à présent. Maintenant je sais qu'il va me falloir un peu de temps parce que bon, quand on arrête 6 semaines, on peut pas être au top tout de suite. Bah, je l'espère que je serai le mieux possible et après je pense qu'il y a le temps, je pense qu'on travaille bien pour et c'est vrai que j'ai eu un travail énorme avec les préparateurs physiques et qui m'ont bien fait bosser. J'espère que ça a porté ses fruits. Et vous les joueurs, comment vous vivez un petit peu cette période là en ce moment, tout ce qui se dit, ce que vous entendez, vous pouvez lire sur le club, c'est pas trop perturbant? Non, parce que je pense que nous, l'essentiel, ça reste quand même le terrain. Ça, c'est des choses qui arrivent. On le trouve dans tous les clubs. Maintenant, on sait qu'au Paris Saint-Germain, aussi avec l'apport des Qataris, on voit qu'on parle beaucoup de nous. C'est normal et il y a une grosse attente. Maintenant, faut faire abstraction de ces choses-là. On sait qu'il y a des dirigeants qui sont là pour ça. Nous, on est là pour jouer et pour gagner les matchs. C'est ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est quand même leader du championnat. Donc voilà, faut rester sur cette lignée-là et comme je l'ai dit, faire abstraction de tout ça. Et là, ça va, ça fait quelques mois maintenant. T'es arrivé ici. Tu te plais bien à Paris? Ouais, ça va, je me plais bien. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, il y a un groupe assez jeune, des joueurs que je côtoie aussi en sélection, des joueurs que j'ai connus aussi auparavant en espoir. Donc je me plais bien, en plus voilà, c'est Paris, moi je viens d'ici, il y a la famille, il y a les amis, donc il y a rien de mieux pour s'épanouir. J'ai même pas vu. Je te jure. Il savait. Il était comme ça. Il était comme ça. Qui? Où? Je te jure. Quoi? Chérie n'est pas là. Hier, je t'ai regardé là, putain. Ouais, tu m'as bien regardé alors. Je t'ai bien vu, hein. Oh, c'est journée avec Blaise Matuidi, quoi. Ouais. Oh là 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 là, le mec il pèse, hein. Ça blague pas, hein. C'est beau, ça. T'es jaloux avec lui? Ouais, je suis jaloux, moi. On fait pas ça avec moi. Oh là là. Jérôme. Blaise, bien. Ça va et toi? Ça va. Ça pourra le combat? Faux. Bien, bien. Ouais. Ouais, j'essaie d'en faire un peu de renforcement musculaire, c'est-à-dire de gainage. Je pense que c'est important pour un joueur de haut niveau de faire un travail supplémentaire à ce niveau-là. Surtout moi, parce que je pense que j'en ai besoin. Je pense que je suis un joueur assez fin, donc voilà. Je pense que
j'ai besoin d'un peu plus travailler à ce niveau-là.